Merci beaucoup de cette question. Je commence par
ce qui est fait, même ce qui a résulté à la mort, j'en conviens. Et qu'il y a vraiment un cas. Kalajan, excusez-moi, tu m'as posé la question en français, mais dans lequel il y a un système et un mot. Monsieur Opalina parlait de mon contrat chinois. J'ai la chance d'avoir été en Chine, moi, dans le cadre de négociation de ce contrat. À l'époque où j'occupais les fonctions de directeur de ressources humaines à la GECAM en Europe. J'ai accompagné les grandes délégations, Yumi, Kanga et Koshor et Katundomo, tout en bref, c'est l'année que je parle tout ça ici. Je connais le dossier ici. Je connais les faiblesses de ce dossier. Ce ne sont pas les faiblesses. En vertu des dispositions contractuelles qui ont été détenues à l'époque, je suis presque convaincu que nous n'avons pas été très regardants dans la conclusion de ces contrats-là. C'est presque un euphémisme ce que je suis en train de dire. Nous n'avons pas été très regardants. Certains des esprits parmi nous voyaient venir tout ça. Puisque telle était la volonté de ceux qui étaient amenés à signer, on préférait ne pas mourir et accepter de voir que ce pays allait avant l'eau. Donc, c'est un dossier qui, de mon point de vue, devait être remis sur la table. Et pour remettre un dossier sur la table de négociation, à quoi faut-il que vous l'ayez prévu dans le contrat? Si vous ne l'avez pas prévu, si vous n'avez pas mis de garde-fou, de clause de révision, etc., et vous n'aurez qu'à. Que vos yeux vous pleurez, mais cela n'empêche, lorsque dans un contrat est affecté d'iniquité, l'État, enfin la boîte aux parties co-contractantes, est à mesure de demander qu'on revoie certaines dispositions qui nous sont très défavorables. Et je sais que la question est en train d'être discutée, ça pose des problèmes sérieux parce que les Chinois pensent qu'ils ont tout donné, mais ce qu'on a donné à cette cicomine, enfin aux Chinois, à travers cette société en partenariat Gécamine et les Chinois, où la Gécamine a à peine 30% des parts, les Chinois, les cicomines ayant pratiquement 70%, c'est une catastrophe. Je peux vous le dire ici, je pèse bien le mot, c'est l'une des plus grandes catastrophes contractuelles que nous avons connues dans ce pays. Mais bon, je ne veux pas pointer les responsables, vous les connaissez mieux que moi. Nous allons tout faire pour essayer d'amortir le choc, si j'ose dire. Et je suis vraiment flatté de voir que certains de nos collègues, et surtout les journalistes, soient à mesure de formuler de telles interrogations. Merci et félicitations. En ce qui concerne monsieur le président, projet agricole à la Lac de ma vallée, c'est vrai qu'il y avait un projet, mais tous les projets ne sont pas des projets, j'allais pas se dire, qui rentrent dans le cadre de l'action du gouvernement. Mais les projets qui étaient prévus dans le cadre de 100 jours. Et vous savez que les moyens ne nous ont pas permis de faire tout. Et donc certains secteurs ont été affectés plus que d'autres par la difficulté par nos difficultés de trésorerie. Et je suis convaincu que puisque cela a été listé en son temps,